Et salut à tous. Wow. Kevlar 830 dans la merde totalement. On ne voit rien du tout. Hop, voilà. Wow! Ah, il est sniper. Chimère. Ça c'est un peu un rafin en fait. Comment sympathique. Il y a l'embuscade. Comme si on n'avait pas de problème comme ça, il faut plus qu'il me fasse des embuscades et qu'il me one shot et tout, et qu'on meurt tous comme les grands connards. Et je me souviens de cette zone et je sais bien que je vais pas l'aimer du tout. Plus jamais tu me touches! Plus jamais tu me touches! Plus jamais! Plus jamais non plus! Arrivederci! T'as semé ton pote. Je ne le sais pas, mais. Wow! T'as arrêté avec le son, c'est vrai que c'est dérangeant. Alors, les a peut-être eu, mais j'ai vu ce qu'ils ont fait. Allez-y pour rejoindre le vaisseau. Major, cette crique se trouve en plein territoire gris et n'a pas été dégagée par le soutien aérien. Mon Dieu, qu'est-ce qui a pu faire ça? Bon, je sais. Mais je dirai rien, parce que je sens que je vais pleurer avant de le voir, sinon. Wow! Oh, putain. Et les bugs de son, c'est horrible. Je ne savais pas qu'il y avait ça. Peut-être parce que je suis pas en son HDMI. C'est des bugs. Maybe, hein. Et des drones. Ah bon? Du coup c'était des oiseaux. Connard. Merde quoi! Dans mon point de repère ici, c'est arrivé à la ville. Pour l'épisode, hein, techniquement. Ça dépendra du temps que ça prendra, mais normalement c'est la ville. On doit arriver dans Auric. C'était l'objectif. C'est pas un spoil, hein. Regardez cette forêt. Ok. Regardez ce monstre. Ah, faut voir qu'ils sont pas résistants mais qu'ils one shot. Bon, je disais. Regardez cette forêt, franchement. Moi pour de la PS3, parce que je suis plutôt joueur PC, je trouve ça vraiment beau. Il y a pareil dans Red Dead Redemption, je trouve que c'est vraiment joli comme décor aussi. Peut-être que je coupe pas trop, j'ai continué. Je sais plus comment on appelle ce machin là, mais. C'est trop calme.
Je sais pas où je dois aller. Ils ne mettent même pas de points. Quelle horreur. Non mais quelle horreur. Ce guidon à la con là, ils font chier. Ouais là s'il n'y en a pas, alors quoi faire. Putain. Si seulement je me souviens du jeu. Non 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 non. Il est où putain saloperie. Oh mon dieu. Quelle horreur. Oh je suis vraiment désolé. Il y en a encore. C'est bug. Ok, je vais me tuer dessus. Mais allez! C'est pas un qui est buggé là-haut ou quoi? Ouais, il y en a un qui a bugué. Putain. Heureusement que j'ai un bon réflexe parce que franchement. Je l'ai mal vécu là. Un vaisseau plutôt ennemi. Il est atterri dans cette zone. C'est quoi ça encore? Oh non. J'ai pété dans le but parce que. Alors ces machins là sont des trucs qui font des nids, je pense. Si je me dis pas de la merde. Les nids, c'est ce qu'on va détruire. C'est vraiment dégueulasse. Ah putain! De vous montrer aussi les noms des monstres, etc. Si je peux. Sans vous spoiler tous les noms. La liaison vidéo déco 1 confirme la présence de Spinner. Reçu. Envoyez un espoir incendiaire. Je veux que toute la zone soit réduite en cendres avant que les macabres aient le temps d'éclore. Voilà. Là-dedans, il y a des macabres. Je viens de le dire. Et les spinners, c'est des petits trucs, apparemment, qui font les macabres. Si j'ai bien suivi. Bah, c'est notre coup. On n'a pas l'un du genre. Encore une fois, c'est très joli. Echo 1, ici Warner. On a la cible en visuel. Wow.
par l'artillerie mobile. Êtes-vous coordonné avec les équipes au sol sur place? Affirmatif. Nous sommes en train d'établir un périmètre. Donc, il faut absolument se venir pour savoir où ces chimères allaient. Pour pouvoir leur voler les PSA. En tout, il n'y a que 7 gros chapitres, il me semble. Et il est quand même pas mal. Il dure longtemps quand même. Alors, 1, t'es calme. 2, t'es calme. 3, tu menaces. Alors, tu prends le balle. Pas grave, c'est pas grave, c'est pas bien. Ah putain, je vais vraiment pas aimer cette femme. Dans ce truc là, on rencontre les deux types de monstres qui me font le plus stresser. Ceux qu'on vient de voir, les invisibles et les macabres. UG, j'ai le vaisseau en visuel. Merci Echo, le chemin le plus court jusqu'au point de rendez-vous passe par la ville d'Auric. Les analyses thermiques révèlent une chaleur intense autour des moteurs avant. Ah tiens. Il risque de nous péter à la tronche à tout moment. Avec une roquette là. Et nous allons donc... Nous quitter là. Et on se retrouve donc dans la suite. Pour la ville et bah... la ville. Allez, salut à tous.